louange, Jésus, pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Nous croyons, Éternel, car la Bible déclare tout ce que vous demanderez à prière. Croyez que vous l'avez reçu, que vous le verrez s'accomplir. Et nous croyons, Seigneur, de tout nos cœurs, par le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit, tu es Dieu au milieu de nous. Alléluia, Hosanna. Nous acclamons le nom de Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Du tabernacle. Nous sommes en train d'étendre dans leur affaire. Aujourd'hui, nous allons parler sur les sacrifices lévitiques. En fait, nous avions dit au départ que nous sommes en train de parler de tout ce que Jésus-Christ représentait dans le tabernacle. C'était lui. Dans la construction, c'était lui. Les éléments qui couvraient le tabernacle, c'était Jésus. Et maintenant, nous allons parler des sacrifices qui se donnaient dans le tabernacle. Et nous disons, Jésus-Christ a accompli sa mission. Alléluia! Lorsque nous parlons des sacrifices, nous voulons directement voir les offrandes des animaux immolés ou les offrandes des animaux égorgés qui s'est donné, n'est-ce pas, dans le tabernacle pour les pardons du peuple. Amen. C'est ça en fait les sacrifices lévitiques. Comme je dis, ça s'est donné conformément à la loi. Or, bien aimé, avant d'arriver à la loi, il y avait des gens qui ont vécu avant la loi. Alléluia. Et il y a aussi un âge qui est notre âge. Nous sommes en train de vivre. C'est un âge qui n'a pas vécu la loi, mais nous sommes en train de vivre après la loi. Amen. Donc il y a l'avant la loi, il y a la loi et puis après la loi. Et nous tous, nous avons besoin du pardon. Ceux qui ont vécu au commencement, ils avaient besoin du pardon. Et le pardon, en fait, c'est ça qui répare notre relation avec Dieu, avec le Père. Amen. Sans le pardon, bien aimé, nous serons des ennemis du Père. Imagine-toi, tu es un enfant, mais tu es ennemi du Père. Tu ne vivras pas à l'aise dans ta maison. Alléluia. Et nous voyons les gens qui étaient au commencement, ils avaient besoin du pardon. Il y a la seule chose que Dieu a prévue dans son royaume, c'était le principe du pardon. Alléluia. Parce qu'il savait, l'homme ne saura pas être stable dans certaines choses. Et il a prévu comment je peux réparer ma relation lorsque celle-ci est détruite. Alléluia. Et bien aimé, nous devons comprendre ça très bien, nous devons saisir ça très bien, que si nous sommes dans la grâce, il y a des gens qui ont vécu avant la grâce, et vous comprenez. Et il y a des gens qui vivent aussi après la grâce. C'est la même chose. Amen. Et les principes du pardon, ça n'a pas changé. Les principes restent la même. Mais ce qui a changé, c'est quoi? C'est le pratique pour obtenir le pardon. C'est ça qui a changé. Les principes restent la même. Les principes, c'est quoi? C'est l'effusion de sang. Alléluia. Il n'y a pas de pardon sans le sang. Amen. Ça, c'est un principe que personne ne peut changer. Mais la manière dont le sang devait couler, c'est ça qui a changé. Parce qu'autrefois, on présentait des animaux. Mais bien aimé, il y a un moment où il fallait qu'un homme meure. Il fallait qu'un Dieu se sacrifie. Alléluia. Et ceux qui ont vécu au commencement, ils ont failli, ils ont péché, ils ont brisé les relations avec le Père, avec le Créateur. Mais ces gens-là ne pouvaient pas vivre à l'aise
sans la réconciliation. Or, la réconciliation vient que par le sang. Une alliance, une réparation qui dure longtemps. Dans le principe de Dieu, ça se fait par le sang. C'est ce que le diable copie. Pour être grand dans le monde des ténèbres, tu dois sacrifier beaucoup de sang. Alléluia. Et ils doivent sacrifier beaucoup. Nous avons une robinet qui coule encore. Alléluia. L'air sang peut tarir parce que les hommes peuvent finir. Alléluia. Mais notre sang, ça ne finira jamais. Jamais. On a l'assurance qu'aujourd'hui, si je déclare le sang, ça coule. Et ça coule continuellement. Ça se renouvelle chaque matin. Le coulement du sang. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Genèse chapitre 3 pour voir ce qui s'est passé. Ceci. Ah non, j'ai un chapitre 3. Oui, le verset. Le verset premier, commençons le verset premier. C'est là où nous aurons l'idée et puis nous allons descendre petit à petit. Je vais introduire pour que vous puissiez comprendre la force du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus et ce qui va vous empêcher, mais sans parler du sang de Jésus. Bien-aimés, mais il ne faut pas les écouter. Alléluia. Oui. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux, comme nous sommes dans les études, donc nous allons aller lentement et comprendre, et puis le dimanche, on va finir. On ne va pas courir, on n'est pas pressé. Les serpents étaient les plus risés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il a fait seulement buter la femme, n'est-ce pas? Et puis la femme est tombée dans sa piège. Il est risé. Il a une mauvaise intelligence. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Ça, c'était le principe que Dieu a donné à Adam. Vous ne pouvez pas toucher, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alléluia. Vous ne mourrez point. Ça sont des mensonges. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme le Dieu connaissant le bien et le mal. Vous savez, le péché nous ouvre les yeux. Amen. Comme la vérité nous a franchi, le péché nous ouvre les yeux de voir encore le mal. Amen. Oui, c'est ça le secret du péché. Lorsque tu pêches, ça t'ouvre les yeux d'avoir encore beaucoup de stratégies pour continuer à pêcher. Parce qu'avant, tu avais peur. Mais lorsque tu franchis seulement ces limites-là, tu deviens plus intelligent et normal. Mais lorsque tu es affranchi par la vérité te pousse à la crainte de l'Éternel. Vous comprenez la différence? Amen. Et la femme, vu que l'arbre était bien à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Amen. Amen. Ils avaient mangé. Les yeux de l'un et l'autre, fait quoi? S'ouvrir. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'affirent de se dire. Alléluia. Ils étaient comme ça. Ils avaient des habits, mais des habits invisibles.
Ils étaient couverts de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu empêchait que l'un et l'autre puissent voir la nudité. La nudité révèle la honte. La nudité révèle l'humiliation. Alléluia. La nudité, c'est une expression d'être nu. Tu es nu, tu es rempli de honte. Lorsque ta nudité est dehors, nous savons ce qu'on peut sentir. Alléluia. Ces gens, ils commençaient à se sentir honte. Et pourtant, avant, ils le vivaient ainsi. Il n'y avait pas de soucis. Les péchés étaient réduits. Amen. La vie des péchés permanents t'est réduite. Si tu demeures dans le péché, tu seras réduit un jour. Parce que lorsque les hommes ont péché, c'était la honte. Oh, les principes ne doivent pas changer, frères et sœurs. Ne crois pas aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, le péché te donne l'élévation. Non, le péché ne te donnera jamais l'élévation à perpétuité. Un jour, tu seras réduit à néant. Alléluia. Parce que le péché n'a pas honoré Adam et Ève. Comme c'était le commencement, bien-aimé, jusqu'à ce que nous mourions, le péché n'honorera personne. Alléluia. Oui, frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce que je suis en train de dire. C'est très important. Parce que ces gens ici, au début, la Bible ne parle pas de leur honte. La Bible ne parle pas de leur nudité. Mais bien aimé, à ce temps-là, ils n'avaient pas de tissu pour se vêtir. Alléluia. Ils étaient que nus, mais ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu dans la sainteté, tu es couvert. Tout le monde va te respecter. Mais le jour où tu vas pécher, tout le monde va commencer à voir ta nudité. Tout le monde va commencer à te piétiner. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et le bien-aimé étant homme, lorsque, bien-aimé de foi, on est humilié, on cherche comment se couvrir, on cherche comment se défendre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui manquait aux hommes. Ça les a manqué. Parce qu'ils avaient péché. Alléluia. Ils ont désobéi aux ordres du Père, aux ordres du Créateur. Et ils ont cherché comment se couvrir, comment couvrir leur honte par des feuilles. Or, ils oublient que le feu ne peut pas demeurer longtemps. Lorsque le soleil sort, ça va sécher. Et demain, ils auront encore besoin. Ils en auront encore besoin. Et la raison pour laquelle vous voyez, même si on est des chrétiens, mais nous courons derrière le monde. Parce qu'on veut couvrir, on veut couvrir, on veut couvrir, on veut couvrir. Alléluia. Ils voulaient couvrir la honte. Parce qu'ils ont dit, non, nous devons nous couvrir. Réellement, je ne peux pas voir ta nudité. Et même, ils avaient honte devant les animaux. Le diable les a donné l'intelligence de pouvoir se couvrir pour continuer à pécher. Alléluia. Vous comprenez? Le péché amène la honte. On doit quitter les lieux du péché. Frères et sœurs, si tu demeures dans le péché, même si tu es caché, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu vas commencer à sentir honte devant Dieu. Alléluia. Tu vas commencer à sentir honte devant Dieu. Raison pour laquelle beaucoup fuient l'église. Ils fuient Dieu. Ils fuient, je ne prie plus. Non, c'est la honte que tu as. Lorsque tu viens, le Saint-Esprit bien-aimé te parle. Il voit ta nudité, te montre ta nudité. Tu es ni, tu es ni, tu es ni, tu es ni. Et tu attends comme si quelqu'un qui est à côté de toi et tu as honte. Alléluia. Toute personne qui ne prend pas encore la décision d'abandonner le péché, il ne peut pas rester là où on parle de la vérité. Il ne peut pas. Alléluia. Il aura du mal. Mais écoutez,
Passons au verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Dieu aussi. Tellement il nous aime. Il dit, je ne pouvais pas abandonner. Je vous ai dit au départ, quand je parlais du tabernacle, la volonté de Dieu, le plan de Dieu. C'était quoi? D'habiter dans l'homme. C'était ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'était pas de venir visiter l'homme. C'était d'habiter. Il cherchait quand je dois y habiter. Ça pouvait se faire dans la vie d'Adam et Ève. Mais ils ont tombé. Ils ont chuté. Alléluia. L'homme était perdu. Le péché te fait perdre la relation que tu avais avec Dieu, le péché. Lorsque tu es demeuré dans le péché, bien-aimé, tu ne seras plus en parfaite relation avec Dieu. Tu es perdu. Dieu est descendu. Dieu parcourait les jardins vers le soir et l'homme et sa femme se cachaient. Donc ils ont vu Dieu. Alléluia. Il dit, ah ouais, là, l'Éternel vient. Ils se sont cachés parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de ce Dieu-là qu'il était omniprésent. Alléluia. Et lui, il est omniprésent. Où tu peux te cacher? Où tu peux te cacher? Comme David a dit. Même au fond de la mer, il est là. Partout où tu iras. Lui, il est là. Il est Dieu. Il te voit. Là où les gens ne te voient pas. Alléluia. Ils se cachèrent malgré leurs figues, leurs habits qu'ils ont cousus. Malgré ça. Mais ils avaient toujours la honte. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Ils étaient conscients. Amen. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Les péchés nous éloignent de Dieu. Les péchés, ça nous éloigne. Vous savez, lorsque on a Dieu, l'ombre de Dieu, c'est notre sécurité. Mais maintenant, lorsque tu pèches, tu demeures, tu pèches encore et encore, bien-aimé, tu t'éloignes de l'ombre de l'Éternel. Tu iras loin de la face de Dieu et c'est là où maintenant les animaux féroces vont te ravager. Alléluia. C'est alors que les enfants de Dieu meurent. Parce que l'ombre de Dieu, l'ennemi ne peut jamais y accéder. Il ne peut pas. Alléluia. Il s'est caché loin de la face de l'Éternel le Dieu, au milieu des arbres du jardin. C'était ça leur manière de se défendre. C'est lui qui a construit le jardin, c'est lui qui a bâti le jardin. Et vous allez maintenant vous cacher, même dans les jardins. Il connaît tous les coins parce que c'est lui qui allait le construire. Alléluia. Vous pouvez imaginer le cœur de l'homme. Ça c'est l'homme. Il fallait même dormir, il commençait à pleurer. On est là, on est là, on est là. Mais vous donnez encore du travail. Amen. Mais l'Éternel de Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Je ne te vois pas. Dieu est tellement mauvais. Il pouvait bien aller là où il s'était caché. Il dit, venez. Mais dit, non, il vient dans la poste, là où il les a laissés. C'était ça son hôtel. Les liens de rencontre. Il dit, mais moi je suis là, amour, je suis là, mais je ne te vois pas. Vous êtes où? On est au lieu de rencontre. Vous êtes où? Moi je suis là. Alléluia. Eh oui, c'était comme ça. On se verra à la gare. Moi je suis devant la gare. Tu es où? Toi tu es où? Non, je suis là où? Je ne te vois pas. Où est-il? Adam. Il ne dit pas où est-il Adam et Ève? Où est-il Adam? Amen. Dieu sait faire ces choses. C'est toi le responsable. Où est-il? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu.
et je ne suis caché. Parce que je suis nu et je ne suis caché. Oh, ça a étonné Dieu de toi. Moi, je ne sais jamais parler de la dignité. Comment tu sais que tu es nu? Alléluia. Comment tu le sais? Dieu sait toute chose. Mais il voulait la réponse de l'homme. Il voulait écouter l'homme. Comment tu sais que tu es nu? Nous, on n'a pas parlé de ça. Amen. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Ça m'étonne. Qui t'a dit ça? C'est la découverte de l'ennemi. C'est le péché qui te fait découvrir des choses qu'on ne t'a jamais dit. C'est ça le principe du diable. Ils commençaient à voir maintenant la colère de Dieu. Pourtant, Dieu ne l'a jamais montré qu'il est colérique. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? As-tu mangé? Alléluia. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'allais manger. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'explication. Tu as mangé, oui ou non? Alléluia. Tu as mangé, oui ou non? Ne donne pas l'explication. Oui, j'ai mangé. Voilà. Amen. C'est ça la responsabilité. Même si on t'a donné, tu peux refuser. Amen. Vous comprenez cela? La vie. On ne doit pas condamner les gens, on ne doit pas poser les doigts à quelqu'un. Tu es responsable. On t'a mis des cracas. On t'a ouvert la bouche par une crique. Non. Toi-même, tu as ouvert la bouche et tu as fait quoi? Manger. Demande pardon comme ça. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Voilà. On continue. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Et bien aimé, vous devez comprendre, il y a des conséquences énormes. Je vais y arriver. Il y a des conséquences énormes dans certaines choses. Quand Dieu a commencé à punir, il a commencé à punir le serpent. Pourquoi? Parce que le serpent, c'est lui qui est le promoteur de ce péché. C'est lui qui a amené l'humanité à pécher. Amen. Ce que nous devons éviter, commencer le mal aux gens. Commencer à mener les gens dans le péché. Commencer à scandaliser les gens. D'éviter quelque chose. Vous savez, même ici dans la loi, si tu commences un coup à quelqu'un, tu es condamné. Alléluia. Donc, il faut éviter de commencer certaines mauvaises choses. Nous devons éviter ça. Amen. 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 Oui. Lorsque vous discutez, terminez la discussion. Si tu touches, toi qui as commencé à toucher, c'est toi qui vas payer beaucoup. Amen. Les serpents qui a commencé, les hommes aussi étaient coupables, mais celui qui a commencé, Dieu a commencé à le frapper premièrement. Amen. Come on. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu le blesseras les talons. Raison pour laquelle le serpent a des problèmes avec l'humanité. Amen. Oui, parce que c'est Dieu qui a dit, personne ne peut le changer. Même si les gens veulent héberger le serpent, mais lorsque on voit un serpent dans une brousse, dans la brousse comme ça, bien aimé, le serpent va mourir. Amen. Il va mourir. Même s'il dit je suis innocent, je suis pour rien, tu mourras. Parce que Dieu a dit, il y a l'inimitié. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Amen. Oui, les diables cherchent à nous mordre et nous cherchons à détruire le serpent. C'est comme ça. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alléluia. Et ici sont les principes qui régissent le monde, qui régissent la vie. Alléluia. Vous voyez ici, par exemple, le péché a engendré quoi chez la femme?
la douleur d'enfantement. Et pourtant, encore peut-être, Dieu n'a rien dit, donc il avait un autre plan. Mais le péché a précipité les choses et la douleur de l'enfantement est venue. Amen. Et le péché a fait quoi? Le péché a engendré encore la dépendance de la femme envers son mari. Amen. Ici, on ne parle pas de dominer, de marcher sur la femme, de dicter la femme, non, ça pas comme ça. On ne va pas entrer dans ce débat-là, sinon ça vous amènera à l'autre. Vous attendez, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Quand il y a l'amour, il n'y a pas la domination. Quand il y a l'amour, il y a l'équilibre. Amen. Voilà. Donc, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est ce qui est aujourd'hui, parce qu'il y a un homme qui a péché et Dieu a condamné toute l'humanité et nous vivons cela. Aujourd'hui, quand on dit tu mangeras la sueur, c'est pas seulement transpirer, non. Tu peux, c'est la souffrance. Donc même si tu es partout, tu es tout le travail que tu vas faire, tu vas souffrir. Le corps va sentir que ça a bougé, ça a été secoué. Amen. Tu peux rester comme ça, tu travailles à l'ordinateur, tu transpires pas. Mais tu sens la douleur. Le corps souffre. Vous comprenez? Donc tout le travail est souffrant. Amen. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui ont été faites. C'est ça, les péchés. Les péchés t'amènent à la malédiction. Le péché te rend sec. Ça te sèche, le péché. Le péché n'amène pas l'abondance. Tu peux croire que tu es dans la vie de péché, tu es en train de manger, tu es en train de boire, tu es malheureux là où tu es. Tu es malheureux, tu es séché, tu es improductif ou improductive. Amen. Il n'y a aucune vie de péché qui te donnera la gloire, qui te donnera l'honneur. Jamais. Amen. Jamais. Vaut mieux manger pain sec, mais tu es dans la bonne condition avec ton Dieu. Pain sec, mais tu es bien avec ton Dieu, tu es dans la parfaite relation avec Dieu. Que de manger la viande, mais dans une maison d'une prostituée. Tu es malheureuse. Alléluia. Amen. Oui, je préfère ça. Et bien aimé, préférer dire non au mal, souffrir pour le bien. Un jour, le Seigneur se réveillera et il te fera du bien. Ici, là, vous voyez déjà que l'homme est séparé de Dieu. Il est séparé de Dieu. Le péché là les a séparés de Dieu. Bien, quand tu es dans la vie du péché, la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin dans nos vies. Mais lorsque toi tu vis, tu laves la saleté, même s'il y a de l'eau propre, tu laves la saleté. Qu'est-ce qu'on dira? Tu laves la saleté, tu continues à laver la saleté, tu es comme un porc. On l'amène dans une rivière, lorsqu'il reviendra dans la boue. Pour lui, la boue, c'est mieux que ça. Amen. C'est ça la vie du péché. Ça te suit quotidiennement. La bonté de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. Mais le mal, c'est quoi? Ça ne te trouve pas sale. Tu peux mourir au moment où tu es dans la boue. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Si ça te trouve au moment des pardons où le Seigneur est en train de te laver, gloire à Dieu. Mais si ça te trouve au moment où tu es dans la boue, tu iras en enfer pour rien. Amen. C'est le moment de prendre des décisions. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Amen. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Tout ça, on a eu ça. Et bien aimé, personne ne peut changer le monde. Il n'y a aucun homme, aucun grand de ce monde. Quand les gens disent doute de Dieu, ils changent un peu ces principes-ci. Pour qu'on sache réellement, il y a des gens plus intelligents que Dieu. Ils essayent un peu de changer cela. Personne ne va mourir. La vie est bonne, n'est-ce pas? Que personne ne meure. Mais Dieu a dit, à cause du péché, tu es poussière et tu retourneras en poussière. On ne peut pas changer ça. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel. C'est la loi du commencement qui régit le monde, qui conduit le monde. Nous sommes soumis, nous tous. Amen. Que tu sois, bien aimé, à la fin, tu vas aller. On va t'enterrer. Même si les gens n'aiment pas parler de la mort, mais la mort est là pour nous. Amen. Ouais. Adam donna à sa femme le nom d'œuvre car elle
elle a été la mère de tout le vivant. Le verset 21. L'Éternel Dieu fit Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Amen. On reste là-bas. Bien, mais malgré Dieu, il nous montre son amour. Il est amour. Il est miséricordieux. Riche à beauté, là, la colère. Pendant que bien-aimé, il maudissait le serpent. Pendant que bien-aimé, il punissait l'homme. Il a puni l'homme. Il a puni la femme. Bien-aimé, à la fin de toutes choses, après avoir parlé, mais Dieu avait toujours besoin de l'homme. Alléluia. Dieu ne pouvait plus retourner dans son atelier et recréer encore. Il dit non, j'ai besoin de l'homme. Mais comment je peux le récupérer? Comment je peux le récupérer? Dieu a voulu nous récupérer. Dieu a voulu nous racheter. Alléluia. Dieu a voulu nous racheter. Les rachats, en fait, c'est quoi? Le pardon de Dieu dans nos vies, c'est le recouvrement de notre honte. C'est la restauration de sa gloire dans nos vies. Alléluia. Parce que l'homme cherche des choses éphémères. L'homme cherche des solutions éphémères. Mais Dieu, lorsqu'il a vu la honte de sa créature, de l'humanité, de ses enfants, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a fait revêtir quoi? Des habits de peau d'animaux. Mais où est-ce que Dieu a trouvé ces peaux d'animaux? Il y a un animal qui a été tué. D'office. Il y a un animal qui a été tué. Oh, bien aimé, cette manière de voir les choses nous amène à comprendre que du fait que Dieu les a mis ou les a revêtus la peau de l'animal, Dieu les a pardonnés. Dieu a couvert leur honte. Parce que ce qui laissait leur nudité dehors, c'était les conséquences du péché. Mais les conséquences du pardon, c'était quoi? C'était le recouvrement de leur honte. Donc Dieu les a pardonnés par le coulement des sang. Il faut que bien aimé dans le Seigneur, le sang coule afin que l'homme puisse recevoir la peau d'animaux pour qu'il puisse se revêtir. Sinon, ça va être impossible. Alléluia. Une seule manière que Dieu a trouvé pour récupérer l'homme, il faut qu'une autre personne meure. Alléluia. Mais la Bible ici, ça ne nous montre pas quel était l'animal qu'on a tué. Mais bien aimé, lorsque je vois le livre d'Apocalypse, ça m'a beaucoup impressionné. Lorsque je lis le livre d'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 5, le verset, en partie du verset premier, c'est ce que la Bible dit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni les regarder. Et je pleurai, alléluia, je pleurai. Jean n'était pas encore mort en ce temps-là. Jean, bien-aimé, le Seigneur l'a donné un autre héritage. C'était la révélation, alléluia. Jean était sous l'onction du Saint-Esprit en train de voir les choses. Il voyait la révélation, l'Apocalypse. Et Jean était sur la terre et il fut rempli de l'Esprit et il est monté au ciel. Il commence à voir la réalité céleste. Mais lui, il était encore sur la terre parce qu'il n'était pas encore mort. Et lorsqu'il a vu, il y avait quelque chose d'impossible. Le livre était là, mais ce livre était scellé. Mais il avait besoin que ce livre puisse s'ouvrir. Mais il n'y avait personne qui avait la capacité d'ouvrir le livre. Jean pleurait beaucoup. Lui, il croyait qu'il était sur la terre, où il y a le malheur, où il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre. Non, au ciel, tout est déjà résolu. Tout a été déjà résolu avant la fondation du monde. Tu ne peux pas pleurer parce que, bien aimé, tu crois qu'il n'y a pas de solution. Là-bas, il y a Dieu, il n'y a que des solutions. Alléluia. Lui, il pleurait.
Non, on reste là où on était. Les gens pleuraient beaucoup de ce que personne ne puisse trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alléluia. Et le verset 5 dit, et du coup, il y a un vieillard. Alléluia. Un vieillard me dit, un vieillard est à Paris, dit à Jean, ne pleure point. Ici, tu es dans un lieu de solution. Alléluia. Tu es dans une autre planète. Tu n'es plus dans, sur la terre. Tu es en esprit. Ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre, de, le livre et ses sept sceaux. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas vaincu lorsqu'il était sur la terre. Jésus-Christ a vaincu depuis l'éternité. Alléluia. Il a vaincu depuis l'éternité. Vas-y. Et j'ai vu au milieu du trône un des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Alléluia. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par la terre. Amen. Jean a vu au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Cela veut dire il y avait un agneau qui était déjà réservé et qui était déjà immolé. Un agneau égorgé. Il a dit un sacrifice d'un agneau. Alléluia. Ça, c'était avant Jésus-Christ soit né. Déjà dans l'éternité, Jésus, il était déjà un sacrifice. Il était déjà un agneau. Il était déjà immolé. Parce qu'il était comme immolé. Alléluia. Il n'était pas vivant. Alléluia. Donc il y avait Adam et Ève. Ils ont revêtu la peau de cet agneau qui était déjà immolé avant la fondation du monde. Amen. Il était immolé avant la fondation du monde. En raison de laquelle, lorsque Jésus-Christ serait venu, il ne pouvait plus faire autre chose. Même s'il voulait demander sa volonté, mais la volonté du ciel était déjà scellée. Il devait mourir. Amen. Il devait que mourir parce qu'il était déjà immolé depuis le lieu céleste. Comprenez ça? Le sang devait couler pour réparer cette relation. C'était avant la loi. Mais Dieu a instauré ces principes. Et ces principes continuent jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Vous comprenez comment est-ce qu'Adam et Ève ont été récupérés? Comment est-ce qu'Adam et Ève se sont revêtis de la gloire, restaurés de la gloire de Dieu, où ils pouvaient bien parler avec Dieu? Où vous pouvez encore vivre la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtis de ces peaux-là qui a fait que le sang coule afin qu'ils reçoivent la peau. Amen. Le sang de Jésus, même dans l'ombre, avait un impact, avait une forte efficacité. Même dans l'ombre, cela veut dire dans l'ancienne alliance, le sang avait toujours une force. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden, Dieu veillait lorsqu'il voyait le sang. Il avait une autre tendance de voir les choses. Il avait une autre manière de réaliser les choses. Il avait une autre manière d'agir parce que le sang lui disait quelque chose. Alléluia! Lisons Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12, au verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier de mois.
Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'ensemble d'Israël immolera entre les lisoirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les laitons de la porte de la maison où on les mangera. Amen. Alléluia. Vous connaissez l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Il fallait qu'ils soient libérés. Ils étaient dans une terre du péché. Une terre dominée par les mâles. Et il y a parmi eux des gens qui servaient même Pharaon, qui servaient même dans le Dieu de Pharaon. Alléluia. Le bien-aimé du Seigneur, comme il a géré à Abraham, sa descendance sera son peuple. Il ne pouvait pas se repentir. Mais comment récupérer ces gens? Comment libérer ce peuple? Qu'est-ce qu'il devait faire pour libérer ces gens-là? Parce qu'il y avait une forte puissance aussi en Égypte. Alléluia. Il y avait une forte puissance du mal en Égypte. Mais bien aimé, pour récupérer son peuple, pour libérer son peuple, il fallait que le sang coule. Alléluia. Vous savez, le sang de Jésus, nous devons avoir aussi une connaissance assez élargie pour le sang de Jésus. Dieu dit, vous mettez le sang, où ça? Sur les laitons de vos portes. Parce qu'il fallait que Dieu frappe, une dernière frappe, où Pharaon, malgré sa puissance, il ne pouvait pas résister. C'était la mort du premier-né. La mort du premier-né, Dieu a dit, il frappera le premier-né de l'Égypte, à commencer par Pharaon jusqu'aux animaux. Alléluia. Et il y aura un deuil. Et maintenant, eux aussi, ils étaient là. Les enfants d'Israël aussi étaient là. Ils devaient aussi vivre cette frappe. Ils devaient aussi, bien aimé, participer dans la colère de Dieu parce qu'ils étaient là. Mais Dieu a dit, pour que vous soyez protégés, car l'ange qui viendra opérer passera. Vous devez mettre le sang. Lorsque je verrai le sang, alléluia, je passerai dessus. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Lorsque je verrai le sang, je passerai dessus. Lorsque je verrai le sang, je passerai. Nous devons, bien aimé, demander à ce que la marque du sang soit sur nous, partout où nous allons. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des enseignements de gens qui veulent affaiblir l'Église. Bien aimé, le sang n'est pas révolu. Le sang n'est pas révolu. Ça coule, ça parle encore jusqu'à présent. C'est ça qui encore. Ça parle encore. Amen. Tu dois, bien aimé, l'appliquer dans ta vie. Tu dois l'appliquer dans ta maison. C'est ça qui te pardonne. Tu dois demander ce sang pour te laver, te nettoyer de tes péchés. C'est ça, bien aimé, dans le Seigneur. C'est une arme pour nous. C'est un élément de protection. À part du fait que ça nous pardonne, ça nous protège. Si Jésus peut passer dessus, à combien plus fort que le diable, lui il peut toucher le sang, il peut toucher là où le sang parle, il ne peut pas toucher, il ne peut pas entrer. Si Dieu lui-même est passé dessus, lorsqu'il voit le sang, il s'affaiblit. Alléluia. Lorsqu'il voit le sang, parce que cet agneau-là, c'était l'ombre de celui qui est immolé avant la fondation du monde. Alléluia. C'est l'ombre de Christ. Lorsqu'il voit le sang de Jésus couler dans sa présence. Il ne peut plus agir dans sa colère. Parce qu'il est Dieu.
Vous comprenez le sang? Ce que le sang, parce que le sang incarne l'âme. Et c'est l'âme qui est la vie. Alléluia. Amen. C'est l'âme qui est la vie. Or, cette vie-là réside dans le sang. Lorsqu'on présente le sang, on présente la vie de Jésus. Amen. Lorsque nous parlons de sang dans les églises, nous ne parlons pas de sang rouge, nous parlons de la vie de Jésus, parce que le sang incarne l'âme de Jésus. Alléluia. Oui. Lorsque tu dis je mange pas l'agneau, je mange pas un animal quelconque, mais tu manges son sang. Non, tu manges sa vie. Tu manges sa vie. Dans nos maisons, ça doit couler. Alléluia. Parce que c'est le sang de Jésus qui peut commencer à te nettoyer. Corps, âme et esprit. Parce que ça va même dans ta conscience. Ça commence à te nettoyer. Vous savez, si le sang ne te nettoie pas, le diable t'accusera à tout moment. Il t'accusera en toi-même. Le sang de Jésus, c'est une arme que l'ennemi ne peut jamais résister. Alléluia. Il ne résiste pas. Lorsque tu essaies dans la prière, lorsque tu essaies dans le jeûne, ça ne tient pas. N'oublie pas, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Il a été vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est ce que l'église oublie. Quand vous oubliez, le diable rigole. L'église dit, là, c'est bon, maintenant je peux opérer. Là où, bien aimé, le sang de Jésus est en train de parler. Là où le sang de Jésus est en train de crier. La Bible déclare, le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Qui peut t'arrêter de le déclarer? Qui peut t'arrêter? Personne t'arrête. Tu dois le déclarer parce que ça crie encore. Amen. Lorsque les gens veulent te condamner, dis le sang de Jésus-Christ. Lorsque le sang d'Abel criait la vengeance, mais le sang de Jésus ne criait pas la vengeance, ça crie le pardon. Ça crie le pardon devant le Père. Amen. Le sang de l'Abel, d'Abel criait la vengeance contre son frère, mais le sang de Jésus crie le pardon. Il dit, Père, pardonne-leur. C'était le sang qui parlait. Les saints qui parlaient contre ceux qui l'ont tué. Les saints qui parlaient contre ceux qui pêchent. Parce que pécher, c'est tuer de Jésus deux fois. Alléluia. Amen. Si nous sommes les chrétiens, nous demeurons dans la vie de péché. Nous les crucifions. Nous les crucifions. Alléluia. Nous les crucifions. Alors si tu l'as crucifié, tu dois chercher à ce que les saints crient le pardon pour toi. Qu'il crie encore, Père, pardonne-lui. C'est ce que la Bible déclare. Demeurer dans le péché, demeurer dans la vie de péché, c'est lui faire entrer encore de clous, c'est à faire entrer encore de clous à Jésus. Amen. Et tu as besoin que son sang crie pour toi la miséricorde. Alléluia. Amen. Mais ces principes, on ne peut pas les changer. Avant la loi, dans la loi et après la loi, même au temps de la grâce, c'est le sang de Jésus qui crie, bien-aimé, pour nous cette grâce. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 9, prenons d'abord Hébreux 12, 24. On va terminer ici. Commence au verset 23 pour une meilleure compréhension. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel, du juge et qui est le Dieu de tous les esprits des justes, parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Qui parle mieux que lui, qui parle mieux que celui d'Abel. Ne te condamne pas. Alléluia. Que le diable ne te montre pas la condamnation. Mais
mais que le diable ne te montrera non pas, pas non plus le sang de Jésus. Il ne te le montrera jamais. Et bien aimé, on est borné. Des fois, on n'arrive plus. Est-ce que c'est ça là? C'est ça là? Bien aimé, tu n'as pas besoin de voir le sang rouge. Tu parles du nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus lui révèle. Alléluia. C'est le reflet de sa vie. C'est ça la vie. La vie réside dans le sang. Alléluia. Oui. La Bible dit sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Il n'y en a pas. Si tu ne crois pas au sang versé à la croix, si tu ne crois pas au sang versé à la croix, le pardon pour toi n'a pas de sens. Tu n'as même pas le temps de demander pardon. Tu dois croire. Celui qui ne croit pas, bien-aimé, dans le Seigneur, au sang versé, il nie l'œuvre du calvaire. Il nie l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et bien-aimé, jamais le Seigneur te pardonnera si tu ne mets pas foi à ce qu'il a fait, à ce qu'il a accompli pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Oui, on doit croire que le sang parle encore. Et ça parle mieux. Parce que ça parle et ça crie pour que tu sois pardonné. Le sang coulait à l'Éden. Le sang coulait à l'Égypte. Le peuple était sauvé. Le peuple était libéré. Le sang de Christ te protège. C'est un mystère qui doit être révélé à tout moment pendant que tu fléchis le genou. Déclare. L'ennemi n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Il ne supporte pas ça. Il ne supporte pas ça. Si Jésus a passé dessus, l'ennemi ne peut pas toucher. Il ne peut pas toucher là où la vie de Jésus, bien-aimé, est marquée au laiton de tes portes. Et cette vie est marquée par le sang. Le diable le voit. Il le voit et le sang rouge que nous ne voyons pas. Mais nous déclarons par la foi. Lui, il le voit. Alléluia. Il voit que dans cette maison, je ne peux pas entrer. Dans la vie de cette personne-là, je ne peux pas le toucher. Lorsque tu pèches, tu sens que, bien aimé, la culpabilité commence à ronger ton cœur, commence à ronger ta vie. Bien aimé, dit ça, le sang de Jésus commence à laver tes veines. Ça va te nettoyer. Alléluia. Parce que le diable cherche même là où il y a une petite tache du péché pour qu'il commence à travailler dessus. Mais le sang de Jésus te lavera ton âme, ton esprit et ton corps. Ça va te laver et tu deviens pire. Si déjà tu es conscient que tu es lavé, ne retourne plus parce que tu es propre. Alléluia. Ne retourne plus dans la boue parce que tu es nettoyé. Tu ne retourneras plus. Parce que le diable ne veut pas te faire croire que tu es pire. Tu es propre. Non, il ne veut pas te faire. Il ne va même pas te souffler ça. Lui, il veut te dire que tu es sale, continue à la sanité. Pour que tu perds tout ce que bien-aimé le Seigneur t'a promis. Et mais lorsque tu sais que j'ai déclaré, j'ai prié, le sang de Jésus versé à la croix m'a nettoyé. Je suis propre. C'est par la foi qu'on est purifié en Jésus-Christ. C'est par la foi. Amen. Oui. C'est le même dans la loi. Dans les tabernacles, c'était le même principe. C'est ça qu'on verra le dimanche, comment est-ce qu'est donné les sacrifices pour qu'ils soient purifiés. Alléluia. Le principe est le même, mais le pratique était différent. Aujourd'hui, nous le faisons par la foi, mais dans la loi, il fallait que les animaux puissent être tués. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, quand vous priez, vous allez à la maison prier et déclarer cela. Alléluia. Proclamez la victoire par le sang de Jésus, parce que le diable est vaincu. Amen. Par le sang de l'agneau. Et libère ta maison. Ouvre ta maison de ce sang-là. Sois fou. Mais tu vois quoi? Moi, je vois, je suis en train de déclarer. Je le vois dans la foi. Je le déclare par la foi. Et je vois comment est-ce que ça couvre ma maison. Ça couvre ma vie. Et bien, quand tu sors, tu es bien rempli, couvert de sang de l'agneau, l'ennemi passera dessus de ta vie. Alléluia. Soyez bénis.